Bonne journée, j'espère que vous allez bien pour le matin, là, parce que là, il est rendu comme presque 4 heures et quelques. Ben, c'est chaud fort, là, t'sais. Je crois qu'il est genre 4h15. Ouais, 4h10. Donc, moi, en ce moment, je suis en train de préparer mon atelier. Je suis vraiment contente. J'ai full de la motivation, j'ai full out. Ça va vraiment être un atelier vraiment fun. J'ai vraiment hâte, c'est ça. Donc là, en ce moment, je suis dans le nettoyage et dans le, voyons, l'organisation de mon poste de travail. Donc c'est ça. Donc là, j'ai lavé le four. J'aime ça faire des ateliers parce que ça me donne l'opportunité de laver mon four. Puis j'en fais quand même souvent, là, des ateliers, là, honnêtement. Je lave peut-être mon four une fois par semaine, puis ça tombe toujours la même journée que je fais un atelier. Je trouve ça le fun, c'est motivant. Je nettoie mon four puis je fais mes petites affaires. Fait que c'est ça. Donc là, je suis en train de déplacer mon poste de travail. Je commence à 6h30. C'est ça. Fait que je peux peut-être vous montrer. Ouais, je vais vous montrer. Donc dans le fond, je me suis fait un petit panier comme ça. Avec les outils que je vais utiliser. Je vais juste rattacher mes cheveux si ça ne dérange pas. Ok. Donc, dans le fond, c'est ça. Je me fais un petit panier. C'est la première fois que je fais un petit panier comme ça. Puis je trouve que c'est une très bonne idée. Parce qu'avant, c'était mes sachets qui étaient dedans. Mais il n'y avait plus de place. Fait que j'ai échangé avec autre chose. Donc, dans le fond, je vais vous montrer. Qu'est-ce que je vais utiliser? Donc, pas compliqué à noter. Ail et herbe. 3 oignons. Meilleur que du bacon. Anis, citron. Grec. Guacamole. Et puis, FCB. Donc, c'est ça. C'est pas mal les épices que je vais utiliser aussi avec mon carton de trempette extra au fromage. Vu que je fais la trempette trio extra. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Je suis bien contente. Je peux peut-être vous dire, c'est comme mon menu. Je pense que je ne l'ai même pas dit. Je l'ai-tu dit? Je pense que je l'ai dit. Mais je vais le redire si vous avez pas, si vous écoutez pas toutes mes vlogmas, mais que vous êtes tombé sur celui-ci. Donc, dans le fond, je fais des œufs farcis. Après ça, quelle autre affaire? Des œufs farcis, une salade de pâtes, mais style réinventé. À la grecque, au lieu de la traditionnelle à la mayo. J'avais envie de faire ça un peu différent. Après ça, salsa étagée. Je pense que c'est ça. Ouais, trempette chaude, œufs farcis. Salade à la grecque et puis salsa étagée. Donc ça va être ça. Donc moi je m'en vais terminer mes petits préparatifs puis on s'en jase probablement plus tard. Tonight, I'm gonna hold you close.
là, il est rendu 5h49. Moi, je m'en vais me laver. Puis après ça, à 6h30, c'est mon atelier. Je suis full out. Donc là, c'est ça. Bon, je m'en vais, puis je m'en fais mes derniers préparatifs. Je vais pas laver mes cheveux, là, par exemple. Je les ai lavés, là, comme 3-4 jours. Fait que c'est ça. Fait que, ben, moi, je m'en vais me préparer. Puis je relance tantôt. Je pense que je me mets en pyjama de Noël pour mon atelier. Ça va être bien cosy, bien tranquille. Donc, je vous rejoins tantôt. Hello! Donc, comme je vous ai dit tantôt, je suis très bien préparée. Donc, j'ai mis mon petit pyjama. Puis, ben là, j'ai mis des oreilles de. Parce que je me sentais festive. Donc, voilà. Et que ça avait mon petit outfit. Je vais vous montrer dans la salle de bain, tout ça. Donc là, j'ai tout installé ma table. Comme ça. Oh, on voit le sapin. Donc, je vous reviens puis je vous montre. Donc, comme je disais, excusez-moi si mes mains c'est dur parce que sinon ça bouche le trou puis on en parle. Donc, c'est ça. Comme je vous ai dit, j'ai mis mon petit pige. Avec les petites oreilles. Je trouve ça vraiment cute. Je trouve que. Ça fait la job, là, tu sais, c'est un atelier de cuisine édition Noël. Fait que je trouve que c'est parfaitement dans le thème. Donc, un petit pyjama de Noël avec des petites oreilles. Donc, voilà. Donc, nous, on se reparle après mon atelier. En passant, pour ceux que ça les intéresse, mon pyjama, je l'ai pris au Arden. C'était super le fun. Après ça, c'est ça. Je viens de terminer, ça fait comme 10 minutes peut-être. Donc. It just wasn't the same. A long, long Christmas day. D'aujourd'hui. Donc, moi j'ai été relaxée dans un bain. Donc, c'est ça. Donc, ben, on se revoit demain. Bye!